Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour le deuxième épisode de Wolong. Alors, on avait passé toute la partie là, le tuto. Alors, avec le boss casse-couille. Casse-couille à mort. Alors, objet. Carreau, couteau de lancer. Oh, c'est pas donné quand même, hein. Peau à feu. Vésicule d'ours. Ok. Alors, fait pousser. D'accord, ok. Ouais, ouf. Ça, c'est pas mal, ça. Pour l'instant, on va se baser là-dessus. Wow, les renforts arrivent. Ah, oh, oh, oh. Qui c'est lui? Oh, il a l'air violent, lui. ならば今よりその勇気を拙者に重ねか。 拙者は高尊さん殿の兵を預かる長、風間の支流、アザオユン。
Ah, les ennemis ayant vaincu des joueurs sur d'autres champs de bataille peuvent apparaître sur votre champ de bataille en tant que cible de vengeance. Les informations du joueur vaincu peuvent être consultées au niveau de leur drapeau de sépulture. Une cible de vengeance aura un niveau de morale plus élevé, mais vous pourrez recevoir divers bonus après l'avoir vaincu. D'accord. Oh! Ah, je m'en occupe, mais il tire pas grand chose. Ah merde, je croyais que c'est un objet. Ça doit être raccourci, encore débloqué. Alors, tablette mémoriale, une plaque en bois sur laquelle est inscrit le nom et le rang d'une personne décédée. Les ennemis ayant été renforcés par la source de vengeance retrouveront leur force d'origine utilisée quand la vengeance est désactivée fera apparaître plus de cibles de vengeance. On n'est pas loin. Arc en bambou et flèche. Ouah, cramé lui. Et carreau le pauvre. Et merde. C'est bien ça aussi. Dans le dos à l'ancienne. Ah, le barde en bronze. C'est mieux ça ou pas? Équipement. Grand gourdin de Polaris. Je pense que c'est un peu plus lent, non? Beaucoup plus lent ça. C'est plus de dégâts, mais ça va être moins. Let's go.
Ah, je suis pas fan des armes comme ça. Et c'est l'hallebarde, mais bon. Ouf. Oh, je m'attendais pas au chien, hein. Merde. Ah, je crois qu'on va repartir sur l'épée, même si c'est moins bon. Je suis plus un joueur à l'épée, moi. Attends, il y avait un coffre là. Tenue de bandit jaune. Toujours qu'il y ait un mec caché à droite ou à gauche. Hein. Non, merde! T'es à deux doigts de la passe. Il était à deux doigts de la mort. Mais non, mais ça va, faut arrêter. J'ai quasiment toute ma vie, le mec te touche, te défonce. Ouais, je sais que c'est une chef de bordel, mais ils sont chauds, hein. Je vais mourir. Ah,
Ah, ça y est, enfin. Podao à bâton, élixir et une armure, machin. Alors. Ça sert mieux. Ça sert mieux. Ah, mais c'est que des armes longues. Tout ce que j'aime pas, quoi. Wow, celui-là était beau. Hein. Celui-là n'est pas précieux. Hein. D'accord, ok, c'est ce qui me permet de passer. Merde, il est là. Ah, et puis en faire deux. Ah. Et vire du milieu, toi. Merde. J'ai pas vu encore. Hein. Faut toujours qu'ils soient placés dans des endroits pourris un peu les ennemis. Hein. Sinon c'est pas drôle. Hein. Ok. Alors elle a l'air dégueulasse cette zone. Hein. D'accord, ok. Ah merde, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'était ça?
少ない。Ah, le raccourci. On ne sait jamais. Allez, nouveau boss. Waouh, qu'est-ce que c'est ce bordel? Wow. Ouch. Et merde.
Ça y est. Enfin. Eh ben. Ça y est, ça commence à rentrer à force. Merci du compliment. Ah! On a récupéré un nouvel esprit, ouais. Ouais. Le jade de Kilin. Alors, invoquer un animal totem triangle rond lorsque la jauge d'animal totem est pleine. Invoquez votre animal pour déchaîner sa puissance, dispose de sa propre compétence. Ces animaux totems invoqués ne peuvent pas être neutralisés par les affinités aux 5 phases. Résonance. Lorsque la jauge d'animal totem est pleine. Carré, croix. Activez la résonance. Invoquera un animal totem vous renforçant vous et vos alliés. D'accord. Ah d'accord, c'est le symbole qui a dû apparaître à côté de mon truc comme ça là, ouais. Au-dessus des sortilèges là. Bon. Eh ben, me regonfle les gorilles, hein. Alors, équipement, qu'est-ce qu'on a gagné de beau? Bon, tant qu'à faire, autant remettre ça. Ah, c'est moins bien que ce que j'ai. D'accord. Ça, c'est quoi les accessoires? Ok. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là. Donc, pour cet épisode, on aura vaincu le deuxième boss du jeu. Donc, le fameux gorille là, énervé qui m'aura assez gonflé. Il nous aura rappelé un peu le gorille là, dans Sekiro là, qui nous lance des rochers, qui te défonce à coups de bras et qui te fonce dessus, tel un mec énervé. Bon, ben, en tout cas, on a réussi petit à petit, hein, voilà, on y est arrivé. Heureusement qu'il n'y avait pas de phase 2. En tout cas, on est arrivé, heureusement. On se dit du coup à la prochaine, donc sur la chaîne, pour la suite de Wolong. Ciao, ciao.